Bonjour à tous de Maupiti pour un nouvel épisode des aventures de Mehdi en Polynésie. Je suis en train de grimper pour aller voir. Il y a une rando ici qui est connue, enfin une rando, ouais, une heure et demie je crois, où tu montes et t'as la vue sur toute le lagon, toute l'île. Je suis en train de faire ça. J'ai cru que j'allais dormir dehors et en marchant un peu au final. Je suis tombé sur un mec qui m'a dit, hop là, qui m'a dit d'aller chez lui. Donc j'ai encore trouvé un logement. Là on est sur l'île de Maupiti et on va juste après sur le motu en face, parce qu'il habite sur le motu en fait. Il a deux maisons, une sur le motu et une sur l'île. Donc on va sur le moto juste après. Voilà. Il faut monter tout là-haut. En espérant que les nuages partent un peu, qu'on ait de belles lumières. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Il vaut mieux pas tomber. Mais ça vaut le coup. Bon alors, ça valait le coup ou ça valait pas le coup? Il y a personne, croisé juste deux personnes quand je suis arrivé en haut, ils sont repartis. Il pleut plus. Et on voit ça. Pas cool franchement. J'étais juste là. Je me suis mis sur le petit là. Encore plus la sensation d'être tout seul. Ici les randonnées, c'est tu pars d'en bas et tu montes tout droit. Il n'y a pas de zigzag pour que ce soit plus facile ou quoi. Tu montes tout droit, donc c'est presque de l'escalade. Et franchement ça, j'ai mis un peu moins d'une heure, mais c'était bien intense, hein, putain. Voilà la vue, côté océan et pas côté lagon. Petite mangue, j'en ai à volonté, endémique de l'île. Mon petit bungalow qu'elle est en train de me préparer gentiment. Et la maison. Petite pièce de vie, très sympa. En fait, il y a plusieurs petits bungalows. Là, c'est leur chambre. Après, tu as encore une chambre. Tu as plusieurs chambres, en fait. Et c'est pas une pension, hein, mais ils ont des bungalows comme les pensions de famille. Moi, ça va être celui-là, là-bas, là. Et après, la citerne, forcément. Et là, t'as les toilettes et la douche. C'est vraiment génial.
Hop. Et ma petite chambre avec vue océan. Et là, on va manger le petit déj juste là. Cinq minutes plus tard, on a rempli le seau. Dans 5 minutes avec le filet. Donc après avoir déménagé de l'île principale au Motu, donc on est arrivé, j'ai mangé 5 mangues. On a été pêcher au filet, juste devant la plage, des petits rougets. Après on les a nettoyés, on les a écaillés, vidés, etc. Là on s'est posé, il m'a attrapé une noix de coco. Il m'a coupé là pour boire l'eau dedans, là c'était la première fois que je faisais ça. C'est vraiment de l'eau, genre. Là ils ont joué du ukulélé. La maison, c'est vraiment le... Tout est fait à la main, les pagnes, les tressages, etc. C'est eux qu'on fait. C'est plus traditionnel là comme mode de vie, tu meurs. Donc c'est génial, ils sont super gentils, ils m'apprennent plein de trucs. Et lui en fait, donc Jeffrey, il était interprète en politique, tout ça, et du coup il a fait les, par exemple les G20, tout ça, avec les chefs d'État, etc. Il était traducteur en anglais, français, espagnol. Il parle 6 langues, il a été pasteur, parce qu'il est protestant, et il a été prof dans des écoles religieuses, tout ça, d'hébreu, de français, de plein de langues. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait plein de trucs. Il était président de l'UNESCO dans toutes les îles du Pacifique. Les Tonga, les Samoa, les Fidji, etc. Et ben c'était lui le président de l'UNESCO dans cette zone. Donc c'est limite une figure un peu politique, on va dire. Enfin bref, et du coup ils m'ont accueilli hier soir, je savais pas trop où aller, il m'a vu. Bref, et depuis c'est absolument génial. On a pêché, je vis avec eux et tout. Et eux ils cultivent là en ce moment, donc il est rentré, parce qu'il a voyagé énormément durant sa carrière pro et tout. Et maintenant ils font du copra. C'est-à-dire que quand les noix de coco sont prêtes, ils les coupent et ils les font sécher, la partie blanche en fait. Et ensuite ils l'envoient à Tahiti et ça sert à faire de l'huile, comme je vous avais déjà expliqué. À Raiatea. Et en parlant de coco, j'en ai vu une tomber tout à l'heure d'un cocotier assez grand. Ça calme, hein. Vraiment, vu le bruit que ça fait et l'impact, t'as pas envie d'être en dessous. C'est vraiment un danger ici. Il y en a pas beaucoup, il n'y a pas grand chose de dangereux, mais ça, faut faire vraiment gaffe. Tout ça c'est fait à la main, les tressages et tout. Et voilà, c'est que des petites cases et ils vivent dedans. Ça y est, tout est prêt. Petite rando magnifique sur le lagon de Maupiti et toute l'île même. Déménagement au Motu, pêche au filet. Avant on avait très bien mangé, j'ai oublié de le dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a vidé les poissons, on s'est baigné un peu. Ensuite,
on a coupé une coco, j'ai appris comment il fallait faire pour casser la coque d'une coco, râper la coco, faire du lait de coco, préparer le ma'a, c'est la nourriture du soir, aller se baigner, apprendre plein de trucs, manger, discuter, écouter du ukulélé, des chants. J'ai passé une journée incroyable à Maupiti et demain je vais plonger à Maupiti avec un animal vraiment sympathique à voir que j'ai pas encore vu sous l'eau. Voilà, à demain les amis. Oh, mais j'ai été au Mexique dans un musée exprès, il y en avait moins. Ok, petit bilan de la journée. Je me suis réveillé vu océan avec des magnifiques lumières. Ensuite, je me suis fait attaquer par. J'ai mis le pied en fait sur un endroit où il y avait plein de fourmis. Je sais plus c'est quoi le nom. Fourmis feu ou je sais plus quoi là qui défonce le pied, j'avais jamais vu. Ben, tu le sens tout de suite, ça chauffe en fait, ça brûle. Ensuite, je suis parti à la plongée. On a vu des remontas, trois remontas, c'est majestueux. Alors, c'était pas les conditions idéales, il n'y avait pas trop de visibilité et on n'en a pas vu énormément selon ce que nous a dit le moniteur. Donc, c'était pas la plongée de l'année, mais moi j'ai vu des remontas et c'était déjà super. Après, on est allé se balader un peu dans l'océan, on a vu une baleine, on l'a entendu chanter, mais. Juste à côté de nous. Et puis après je suis rentré. Petit tour de l'île en vélo. Avec un vélo que mes hôtes m'ont gentiment prêté. Ensuite on est allé cueillir des mangues avec le raw, ça s'appelle. L'espèce de grande épuisette là exprès pour attraper les mangues. Donc j'ai fait et tout.
Et là, on est rentré au Motu, profiter de la fin de journée. C'était une journée super. Ils m'ont montré leur jardin. Donc, les manguiers, il y en avait partout. Il y a des mangues, on a rempli le seau en 10 minutes et on aurait pu le remplir encore 4 fois. Il y avait du cacao dans le jardin. Plein de fruits. C'est vraiment un endroit fabuleux. Et vous aurez remarqué ma super casquette que m'ont prêté et donné en souvenir de l'île. Très local comme souvenir. Mes hôtes, voilà. Une super casquette à Heineken, c'est la première que j'ai comme ça. Bah, elle m'a bien servi aujourd'hui parce que j'avais oublié la mienne. En fait, comme ils habitent sur le Motu, donc le Motu c'est l'île en face de l'île principale. Ce matin on est parti en bateau, j'avais oublié mes casquettes. Donc, j'ai été dans leur maison qu'ils ont sur l'île principale et j'ai pris une casquette. Et ils m'ont dit de la garder. Il est 20h30, 33 exactement. Je dois avoir une tête de grosse merde avec le flash et en plus ça m'encule les yeux. Mais on va faire le bilan parce qu'il s'est passé des choses entre temps. Donc je vous ai raconté tout à l'heure. Quand on est revenu en bateau, on a vu deux tortues d'ailleurs sur la traversée. Donc le quotidien ici quoi. Des raies, tout ça, bref, on est revenu. Donc on a mangé et tout et après on a été pêcher des crabes. Et on est tombé sur deux cigales de mer, c'est comme des langoustes, mais un peu, enfin, au niveau du goût, quoi, ça ressemble en un peu plus tendre. J'avais jamais vu ça, je savais même pas que ça existait. Du coup, il m'a fait goûter, là. Du coup, bah voilà, encore une soirée super, faire un peu de coco et tout. Et demain, il y a, en fait, c'est des protestants. Et demain, il y a toute la paroisse protestante, enfin, toutes, pas toutes, mais il y a des gens protestants qui viennent et on va faire un four tahitien, ça. Un mode de cuisson traditionnel d'ici avec plein de trucs à manger et tout, et ce sera mon dernier repas avant de repartir, donc j'ai hâte d'être demain. Allez, bonne nuit. Hey! Hey! C'est tout? Hey Thierry! Ah voilà! Hey Thierry! Parce que Thierry c'est la fleur? Oui! Ça c'est de la fleur de Thierry? Thierry Mourou! Thierry Mourou! Parce que ça vient d'ici le. C'est notre.